tournons la tête. Ouh, c'est quel nom là? Oh, ben, Boriba. Nous y est, nous le plus. Oui, ça, je connais à peine Chassené. Le magnifique. Voilà! Yéli! Hé? Non, frère, c'est moi. Attends, on peut faire photo. Faut sourire. C'est des sages. On ne peut pas te voir comme ça. Il. De toute façon, on t'aime chez nous. C'est qu'il y a un papier dans la vie. Oh, ça, attends, il ne faut même pas t'inquiéter. Il dit, t'es cédé là. T'es cédé piraté là. C'est même plus c'est moi comme ça. Même votre truc que vous faites là. Vous faites un truc et puis ça compte là. Nous, on a ça jusqu'à 2020. Il suffit que tu fasses même, on s'en va, et puis on copie ça dessus. Ma fille, viens. De toute façon, ma fille t'aime. Ma fille t'aime, hein? Laquelle? Donc lui, là. Non, elle a 3 mois. Quand elle te voit, viens de lui, là. Non, tu es trop fort. Dis-moi, on est pour dire. Est-ce que tu peux faire rire un peu déjà pour nous? Des faits? Oui, vas-y. Il y a visa déjà. Vas-y, oh, mais ça a été géré ça. Vous pouvez rire les gens un peu, je vais voir. Ils le font, hein. Regarde comment ils marchent, c'est ça. Vas-y, je vais appeler la plus grande, vas-y. C'est papa des gens, on prend comme ça. C'est pas un pas travail qu'on fait ça là. Oui. C'est-à-dire, quand tu viens même voir ton visage, mais c'est pas quel nom il va mettre dessus. C'est comme à Bobo. En tant qu'humoriste, ils te voient les mouches là, ils savent que tu fais quelque chose, mais ils ne savent pas quel nom ils vont mettre dessus. Tu vas être derrière moi. Et puis il y a toujours l'autre. Viens me voir Ramatoulaye. Son ami le touche, il dit c'est pas Ramatoulaye. Tu vois pas là. Coro en cas de cas. Il dit c'est pas en cas de cas. Il y a un qui derrière, mais touche le dire, laisse-moi. Ouais. Viens me voir en cas d'avoir, tu aimes trop t'amuser. C'est des artistes quoi, on a des problèmes, on souffre. Et si tu es humoriste, quand tu dragues femme comme ça là, ouh, c'est parce que tu es en train de t'amuser. Je vais essayer de faire des tailles. Mais je te parle sérieusement. Et pendant qu'on y est, vous profitez en même temps des instants de joie comme ça, prenez les numéros. Les hommes, prenez les numéros, hein. C'est dans un mouvement comme ça, on prend le numéro, on prend pas le numéro dans le funérail. Sinon, tu vas dire quoi à tes enfants? Non, il a connu votre maman d'enveiller. Il voulait la consoler et puis vous êtes né. Et c'est votre témoignage. Prenez le numéro d'âge. Et quand c'est comme ça, en général, avant de prendre le numéro, il faut sonder le terrain. On ne sait pas qui est qui. Parce que si il prend une fille tout de suite pour lui poser une question, on ne sait jamais. Oui. Pardon. Madame, bonsoir. Ça va? Levez-vous rapidement, pardon. On est pressé. Applaudissez pour elle, c'est pas facile de se lever. C'est ça, on vous dit tout de suite, ne vous asseyez pas devant. Ça va un peu? Pardon, une petite question. C'est le monsieur qui est là? D'accord. Donc tu réponds au nom de toutes les femmes qui sont là. Celles même qui n'ont pas pu venir. Dis-moi, en vérité, vrai, on est à l'ambassade. Entre un garçon qui te trompe et puis garçon avare, tu préfères qui? Tu préfères qui? Il n'a qu'à te tromper. Applaudissez, vous ne voyez pas. Toi, jaloux, ça, aujourd'hui, il n'a pas te tromper. L'argent a gâté le pays. Les hommes, vous avez entendu, non? Ça veut dire travailler. Si femme travaille 2 fois, travaille 8 fois. Et l'argent, femme n'aime pas pauvre. Abidjan, tu vois une fille qui sourit à un pauvre, c'est pour demander renseignement. Garçon travaille au soleil, femme mange à l'ombre. Tellement garçon souffre, même dans Tabaski, c'est un mouton garçon qu'on tue. Les hommes, vous avez entendu? Et l'argent. Bon, on a pris une femme, on va voir un homme, parce qu'il faut sonder, il faut équilibrer. Non, l'hashtag n'est pas dedans. Mon frère, viens. Faut te lever. Petit enfant, il est venu à un truc. Quand tu es chauffeur de gros camions. Oui, comme il n'y a pas de micro là,
Si tu peux parler fort, quoi. En tant que garçon, tu représentes tous les hommes qui sont là. Et ces mêmes qui n'ont pas pu venir, hein. Je te pose une question, réponds franchement à l'ambassade. Entre une go qui te trompe et une go qui te frappe, tu préfères qui go. Elle n'a qu'à te tromper. Ah, applaudissez les garçons, si Dieu encore le tromper. En fait, tu as raison. Tromper est mieux. Parce que si femme témoin, tu es mort. Elle peut même te tromper, tu parles, elle te frappe. Tromper, au moins vous deux, vous pouvez vous tromper. Il y a une qui est rentrée dans l'hôtel avec son amant. Et puis elle a croisé son mari en train de sortir avec la femme. C'est là, elle a quand il te dit un jour, il va t'attraper là, je suis venu avec tes coins. Elle t'a bougé, je suis venu avec eux. Mais comme les gens la restent, ouais, le monsieur qui donne visa à l'hépatite. Ah, vraiment. Sérieusement, hein, si moi je vous pose des questions comme ça, c'est parce que j'ai analysé, j'ai réfléchi, j'ai pensé, j'ai sciencé, j'ai mûri. Oui, qui a dit moi? Vous pensez à Bobo? Ici là, on nous a tous mis à l'école, hein, mais un homme qui a pris l'air à base pour qu'il manque. Et voilà, ma Maria Koulibaly depuis la radio comme ça, vous laissez pour elle. Maman, quand tu t'assois devant, c'est tout, si toi ça tombe. Et si tu es à la radio, tout est préparé avant l'émission, tout est noté. Il y a un journaliste, lui, il lisait l'écologie, il n'a pas noté. Il est venu en retard. La grande famille, tu peux dire, je veux. La grande famille, il se couche au bout de l'île à Paris. La grande famille, et puis il commence à voir son nom. C'est ma mère! C'est là qu'il a appris qu'il y a des dans sa famille. Si tu veux, il voit Tata Naomi, il voit la télévision à pour elle. Oh! Maman, ça va un peu télévision. C'est comme quand tu es artiste et puis tu passes dernier dans l'émission Tempo. Tu es mort. C'est-à-dire qu'on ne te voit même pas au quartier. Pendant que tu joues, c'est écriture, c'est bon. Réalisation, you remain. C'est un copyright. On te voit même pas. Ça n'a pas envie, merci. Vous savez, les Libanais, il y a Libanais ici. Applaudissez le Liban. Moi-même, je suis Libanais, c'est le soleil qui a fait comme ça. Libanais. Quand on dit en Côte d'Ivoire, il y a les hommes d'affaires, c'est le Liban. Imaginez un mec qui veut peindre la devanture de sa mairie. Et puis il fait appel d'offres, il y a trois entrepreneurs. Un Anglais, un Allemand et puis un Libanais. Un 5 millions. Libanais. Le maire les reçoit individuellement pour justifier les délits. Il reçoit l'anglais. Il dit c'est combien? Anglais dit 3 millions. Il dit 3 millions, petit nul. Il dit yes, 1 million for the peinture, le 2 million for the dirium, and le 3e for my main œuvre. Il dit ça, c'est trop cher, il faut appeler Allemand. Allemand rentre, il dit 6 millions. Il dit quoi? Anglais dit 3. Il dit oui. 5 millions pour le peinture, 5 encore pour le dirium, et 5 pour ma main de sort. Appelle Libanais là, on est ensemble ici toujours depuis les siècles. Libanais rentre, yala, monsieur le maire, dis oui, ton devis c'est combien? Il dit 9 millions. Anglais dit 3. Allemand qui n'est même pas un, il dit 6. Libanais, on est toujours ensemble ici, tu dis 9. Il dit yala, monsieur le maire, calmez d'abord. Dans les 9 millions, toi tu as 3. Moi-même, j'ai envoyé les affaires là, j'ai 3. 3 millions qui restent, on donne anglais, il va faire travail là. À votre avis, on va prendre qui? À vous êtes mes parents libanais. J'ai dit, le monsieur qui donne visa là, c'est lui, il cherche, pardon. Lui, je suis là, il y a un problème de visa, sérieusement, sérieusement. Oui. Tu es là? Non, je vais te rappeler, je vais te rappeler. Voilà. Alors, ça, j'étais arrêté, j'étais dehors là-bas. Hein. C'est toi qui faisais rire les gens ici là. Non, mais je vous ai dit, je suis là. Non, mais dis-moi, viens, là. Je sais pas, toi, tu es mon gars. Hein. Oh oui. Vraiment, quand tu fais rire comme ça, je suis content. Ah. Mais dis-moi, tu fais quoi dans la vie? C'est le travail là qui est là. Non, 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 en fait, c'est pas pour m'amuser, je suis en train de te parler. Je dis, tu fais quoi? Tu fais quoi? Ton travail, c'est quoi? Tu fais quoi dans la vie? Je suis humoriste.
sais, c'est ça pour faire rire les gens. Ah! Dis-moi. Oui, je sais, je sais. Tu as déjà dit que tu fais rire les gens, je sais. Mais à part ça, tu fais quoi? Je ne connais pas autre chose aussi, c'est pas ça là, c'est ça la soirée. Oh, dis-moi! Les humoristes là, à tout moment ils font rire les gens. Même quand on lui pose une question, il veut faire blague encore. Je suis dans mon sérieux? Oui, oui, c'est ça, c'est ça! C'est ça. Non, c'est bon, c'est bon. Toi aussi, je ne te fais pas partir. Tu vas continuer de faire des blagues toujours. Tu peux partir, c'est bon. Tu dis ça là, c'est bon. Je te donne, je d'accord. Mais. Et. Mon transport, quoi. Transport, tu as fait comment pour venir? Non. Moi, je sais, on m'a dit qu'il y a visa, quoi. Tu vois, non? On m'a pas dit qu'il y a paiement. Oh, quand il paye comme ça, de toute façon, il y a caché dedans, c'est mon manager qui prend l'argent. Tu as fait les gens, là, pour payer pour ça. Oui, on paye. Non, le mec, là, il est fou, hein? Même quand je suis arrivé, il fait rire toujours, il raconte toujours des blagues. Non, c'est bon, pourquoi tu fais ça? Depuis. Demain tu viens, demain tu viens, tu vas prendre ton visa, non. Depuis, voilà, et puis là, c'est pas pour le visa, là, il peut, tu vois, non, il peut trafiquer ça, quoi. S'il arrive là-bas, il est coupé aux portes. T'as vois ça, là, c'est mon nouveau sketch, là, je vais préparer. Si il n'est pas ici, là, maintenant, il ne va pas avoir visa, il ne va pas avoir là. C'est bon, prends ton ambassade, prends ton visa. Il a dit sa sortie. Il a dit sa sortie. Ça, c'est le sketch, il a dit.